Bonjour madame. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Oh, je suis un ami de votre psychiatre. Je sais. Ça va bien, ouais. Il m'envoie vers vous. Ok. Ouais. Il vous a parlé un petit peu de ce qu'on fait ici? Un peu. Ouais. Ok. Comment vous vous sentez? Rongé. D'accord, ok. Comment vous vous sentez physiquement, maintenant, en face de moi? Ça me fait du bien de parler. Ouais. Je me dis qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Ouais. Physiquement, comment vous vous sentez? Physiquement. Physiquement. Comment ça? Est-ce que physiquement tout va bien? Non, ça va pas très bien. Est-ce que vous souffrez encore de lésions, peut-être, que votre mari aurait causé? Oui. D'accord. Désolé, je ne peux pas remplacer le travail de votre psychiatre. Je sais. Mais je suis très contente de pouvoir parler avec vous. Bien sûr. Voilà. Prenez ma voix comme quelque chose de assez neutre. Je suis là pour vous écouter. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Où est-ce que ces lésions seraient... Où est-ce que vous avez mal? Cœur. Après, c'est rien. J'ai mal au cœur par rapport à mon fils que je peux plus voir. J'ai mal. Vous êtes au courant que cette expérience que vous avez expliquée correctement, ça induit un effacement complet de votre mémoire? Je sais. Votre fils, vous n'en aurez plus le souvenir. Votre mari, évidemment, non plus. Notre entretien, non plus. C'est vraiment vrai ce que vous dites? Votre nom? Non plus. Rien. De toute façon, c'est tout ce que je veux, c'est un nouveau départ. D'accord. Tout ce que je veux. Même si ça va me déchirer le cœur d'oublier mon fils. Parce que c'est la prunelle de mes yeux. Je suis trop rongée par la culpabilité. J'entendais mon fils dire « Maman, maman, aide-moi !» Je ne sais rien. Vous savez, madame, il va vous falloir une certaine force pour appréhender ces nouvelles choses de la vie qui vont vous arriver. Vous vous souviendrez de rien, certes, mais ce sera un nouvel univers pour vous. Je veux un nouvel univers. Coupé, superbe, bravo.